Votre enfant est myope? Que peut-on faire pour votre enfant? Le contrôle de la myopie. Mais avant tout, qu'est-ce que la myopie? La myopie est un trouble de la vision. Le résultat est une augmentation de la longueur de l'œil et une formation floue des images. Et c'est exactement ce qui rend la vie plus difficile pour l'enfant myope. À l'école, les textes loin, comme au tableau noir par exemple. Normalement, on devient myope entre 6 et 12 ans. Et cela peut augmenter progressivement chez les jeunes. Le problème est non seulement le fait d'avoir des verres plus épais, mais la myopie augmente également le risque de maladies oculaires, telles que le décollement de la rétine et la dégénérescence maculaire. Si la myopie se développe rapidement, la vision de votre enfant se détériorera au bout de quelques mois seulement. Et ceci peut affecter les performances scolaires et sportives. Heureusement, il existe aujourd'hui des moyens pour ralentir la progression de la myopie. L'autokératologie. Ce sont des lentilles de nuit qui se portent pendant le sommeil et permettent une bonne vision pendant la journée. Les lentilles de contact multifocales. Ce sont des lentilles spéciales qui freinent la progression de la myopie. Les verres de lunettes spécifiques. Les verres de lunettes avec une qualité optique optimisée pour soulager la vision de près et qui réduisent la progression de la myopie. Les gouttes oculaires d'atropine. Des gouttes oculaires d'atropine fortement diluées peuvent réduire la progression myopique. Comment peut-on réduire le risque de myopie? Des examens réguliers des yeux. Comme ceci, la myopie et les yeux sont toujours sous contrôle. Restreindre les activités de proximité. Une vision trop proche et trop longue, ainsi qu'une mauvaise focalisation, fatiguent fortement les yeux. Passer du temps en extérieur. La lumière du jour favorise un développement sain de l'œil. Contactez-nous maintenant pour un entretien informatif gratuit et sans engagement.